Que le monde fasse ce qu'ils disent ou pas, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu restes en contrôle. Donc là, je viens de parler avec Eric. On a un projet ensemble pour avec le Café Mythique, mais pour faire la promotion de ça un petit peu plus sur le long terme. On parlait de ça, puis on était supposé avoir une rencontre avec un investisseur, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été remis à plus tard notre rendez-vous. Puis c'est pas mal ça. Puis ça me vient un petit peu avec de quoi là. Tu sais, quand quelqu'un te dit « Ah, je vais être là à telle heure, donner une promesse, tout ça », puis la personne le fait pas, ça arrive, ces affaires-là. Puis c'est normal, c'est dans la vie, ça t'est déjà arrivé, je vais même pas supposer que peut-être, c'est clair, ça t'est déjà arrivé, quelqu'un t'a donné sa promesse, puis ça n'a pas marché. Puis, c'est important, tu sais, j'ai déjà parlé du point de dire « Faut pas taper sa tête sur l'autre, puis là, tu sais, être fâché après cette personne-là ». Puis, tu sais, l'utiliser ça contre lui, hein? Mais à l'opposé, faut pas l'utiliser contre ça aussi. Quand ce genre d'affaire-là arrive, c'est pas grave. Tu sais, tout ce qu'on a à faire, c'est, tu sais, laisser ça aller, puis passer à la prochaine chose. Puis, tu sais, là, c'est un rendez-vous, c'est important, faut que ça soit recidulé, on l'a recidulé. Puis si ça n'a pas été important, ben, tu sais, on aurait juste dit, c'est pas grave, on va laisser faire ça, puis that's it. Puis, le temps que... Tu sais, je me suis mis pour ce rendez-vous-là, mais j'ai juste eu à faire autre chose. Ça, là, dans le fond, vu que j'étais avec Eric, on a parlé d'un autre projet qu'on aurait parlé plus tard dans la semaine, mais on a parlé plus de bonheur, tout simplement. Puis, c'est juste, ça me sauve du temps, dans le fond, de pas avoir eu ce rendez-vous-là où ça sauve du temps parce que le rendez-vous va être là, mais, tu sais, ça va être switché de place. Puis, il y a beaucoup de monde qui vont arriver puis prendre ça mal, prendre ça personnel puis tout ça. Mais, tu sais, ce genre d'affaire-là, c'est vraiment minime. Quelqu'un là qui dit « Ah, oh, je vais être là tout à l'heure » puis il est pas là, là. Tu sais, c'est vraiment le plus minable de tous les obstacles que tu vas avoir comme entrepreneur. Fait si t'es pas capable de vivre avec ça, il y a déjà un gros problème. Puis, je pense que c'est une des premières choses à faire, d'être capable de vivre avec le fait que le monde, ils font pas faire qu'est-ce qu'ils veulent tout le temps. Puis pas nécessairement arriver puis pas compter sur les autres, parce qu'il faut compter sur les autres à un point. Mais de savoir que les autres peuvent nous laisser tomber, que le monde peut avoir des imprévus, que tes rendez-vous peuvent bouger, que t'as des choses que tu pensais que quelqu'un ferait, que ça c'est pas fait, puis faut que tu t'arranges avec ça. Puis ça, c'est important dans l'entrepreneuriat. D'être capable de voir que s'il y a des choses qui arrivent, d'être capable de jouer avec ça, puis modifier son horaire, d'être capable de dealer avec les situations qui sont face à nous. La chose qui va faire la plus grande différence pour avoir du succès en affaires, c'est la persévérance, tout simplement. Puis, il y a beaucoup de choses pourquoi est-ce que c'est la persévérance. Puis, une des grosses choses, c'est que quand tu commences en business, tu sais pas tout. Tu as beaucoup d'expérience à prendre. Puis,
De persévérer, ça va te permettre d'avoir le temps de prendre toutes les leçons que tu as à avoir pour être capable d'avoir du succès. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste abandonner. Ils vont se dire comme, ah ben là, ça n'a pas marché, mais à la place d'apprendre de leurs erreurs, ils vont juste utiliser ça pour abandonner, puis au final, pour pas vivre leur rêve.